shadow grows on the wall behind. Hey, salut à tous, c'est Grimjo. J'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. On se retrouve aujourd'hui sur Made in Japan TV pour la présentation d'une SMSD, ou plus précisément une Super Master Stars Diorama. Donc c'est bon presto qui se cache derrière cette superbe pièce. Et la dernière chose que j'ajouterai avant de passer à l'unboxing, c'est que Zamasu n'avait qu'à bien se tenir. Allez, c'est parti! Yeah.
on a là la deuxième Super Master Stars Diorama proposée par Banpresto. Donc la première, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le Goku en Super Saiyan qui déchaîne son ki, là il gueule, waouh, machin, une tuerie. Cette fois donc on part sur du Dragon Ball Super avec l'arc Black Goku. Donc c'est le moment où Trunks envoie son Garlic Hero sur le Zamasu fusionné et que son père vient l'appuyer avec la même attaque. Ça fait une sorte de Kamehameha Perfis, mais stylé avec Trunks et Vegeta. Donc, moi j'aime beaucoup. La particularité de cette gamme, donc, c'est que autour des personnages ou du personnage pour le Goku, on a une sorte de petit diorama. Il y a des effets de fumée, il y a un socle bien travaillé, il y a l'attaque qui est mise en avant. Donc, non, franchement, c'est cool. Il y a beaucoup de couleurs vraiment pétantes, ça j'aime beaucoup. Après, si vous aimez pas trop les couleurs pétantes, il existe plusieurs modèles avec des coloris différents. Donc il y a de quoi faire. Le logo Dragon Ball avec le Shenron, non, franchement, une petite tuerie. Donc il y a le Garlic O qui est fait derrière, comme vous l'avez vu, en violet. Donc vraiment, c'est sympa. Niveau sculpture, j'ai rien de particulier à dire. C'est vraiment beau. Niveau pose, bah, de toute façon, c'est le Garlic O. Donc, c'est pas le début, c'est la fin. Donc ils ont les bras levés vers l'avant. Non, franchement, une petite tuerie. Bon, la peinture, voilà, c'est du Banpresto. On peut faire mieux, mais pour le prix, je pense qu'il faut s'en contenter. Oui, oui, alors là, comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut !